Bonjour à toutes et à tous, je suis Chobiti et on se retrouve aujourd'hui pour un petit live de preview sur CatQuest 3. CatQuest 3 qui est actuellement en précommande sur Steam. Il sera au prix de 19,99€ et vous avez une petite promotion de 10% jusque la sortie. La sortie sera pour la journée internationale du chat le 8 août. Et j'ai pu avoir accès à une preview. Donc c'est pas le jeu complet, hein, c'est plus ou moins l'équivalent d'une démo, mais une démo privée. Donc je remercie Cosmo Cover et Kepler Interactive pour me donner cette super opportunité. Pour ceux qui ne connaissent pas CatQuest, tout simplement, ici on est sur le troisième opus, on joue chat, et on va avoir des petites aventures trop mignonnes, avec plein d'humour miaouesque. Et CatQuest 3 se situe dans le monde des Piwarts. Alors je vais lancer le jeu pour que vous puissiez avoir... C'est à la petite cinématique de fin, donc je m'excuse, vous aurez sans doute un petit écran noir. Tant que ça se lance. Arr! Gather round, mateys, and listen to the tale of the most legendary treasure of all. Many a moon ago, the North Star itself crashed from the heavens. Those lucky enough to get their paws on it could seek out their every heart's desire. Ooh. Seekers, they called themselves. Show a bit of imagination, will ya, Mother Pearl. But them Seekers, fearful of sharing its mighty power, concealed the North Star so no other soul could lay claim to it. Years drifted by, and as ye be aware, tales become myth, and myth becomes legend. And legend be the makings for some fine pirate treasure, aye? Mia! Voilà donc sur l'écran principal. Alors ce qui est absolument top, c'est que la coop est déjà implémentée. Puisque dans CatQuest, on peut toujours jouer avec des copains. Alors, j'ai baissé le son. Oui, j'ai baissé le son. C'est toujours un peu fort. Voilà, ça devrait être mieux. Histoire de pas vous casser les oreilles. Donc, on va faire une nouvelle partie. En normal, hein, bien évidemment. On va crever, on est là pour ça. Et je choisis mon capitaine. Oh, top! Ça m'a chopé la sauvegarde. Ben non, moi je veux créer une nouvelle partie.
On a réussi! D'après la rumeur, cette île renferme un indice sur le trésor de l'étoile polaire. Ça ne devrait pas être trop dur à trouver pour un quêteur, pas vrai, Mouchaillon? Hop! Et on est parti! Donc on a des petits ennemis, on retrouve la patte clairement graphique de Cat Quest, hein. Ça c'est... C'est indéniable. Hop. Alors ici on a un petit... perroquet qui nous permet soit de rajouter une personne à notre équipe pour passer à deux joueurs, soit de restaurer notre santé, puisque contrairement à ce qui était avant, notre santé ne se restaure pas toute seule et il faut utiliser les petits perroquets pour regagner toute sa santé. Alors par contre, ce qui change pas, c'est que quand vous montez de niveau, effectivement, votre santé remonte. Hop, on a gagné un bandana de pirate. On va aller voir notre inventaire. Alors, mon inventaire. Parfait, sur ma tête, je mets mon bandana. Pour l'instant, j'ai pas ça. Pour l'instant, j'ai pas d'accessoires. Ok. Attention à celui-là! Et on va pouvoir attaquer à distance. On a gagné une rune étoilée, des runes que les quêteurs du temps jadis sont censés avoir utilisées. La légende prétend que ces runes sont la clé du trésor de l'étoile polaire. Mille chagrins ! Alors les légendes sur les quêteurs divers... Tonnerre ! Peut-être que la rune va nous indiquer le trésor de l'étoile polaire ! Mouchaillon, t'as entendu quelque chose ou quoi? Ouais, on va affronter les Palais Bros. Ah, t'es qui toi? Tu veux nous faucher notre trésor, c'est ça? Les gars, passez le balai avant que le boss arrive! Et on découvre notre petite magie. J'ai plus de munitions, ça recharge, mais rien ne m'empêche. Bah, j'ai plus assez pour lancer un sort, je vois pas quoi. Voilà. Vous savez pas qui est notre boss? C'est le Wapiwat, espèce de crétin à poil. Frangin, c'est le moment de donner un coup de balai. On va leur montrer de quoi les Palais Bros sont capables. Balai. Il a une putain de jauge de PV. Sort s'est rechargé. Mes munitions aussi. Voilà le Palais Bros.
on a gagné une clé de navire. Là, ce gros rat a lâché une clé de navire. On peut essayer d'appeler leur bateau de pisquet. Parfait. On gagne un petit niveau. Là, il y a un truc. Je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Alors, j'ai mon navire et j'ai trouvé une bouée. Le jour est enfin arrivé, mouchoyon. Nous allons trouver l'étoile polaire qui t'a exploré le monde entier. Et là, nous serons les plus grands pirates de cette mer. Mais d'abord, mettons le cap sur Port Chavan, là-bas. Peut-être que quelqu'un du coin saura plus sur cette rune étoilée. Alors, j'ai gagné une bouée. Est-ce que je peux faire quelque chose de là? Ok. Je peux rien en faire. Donc j'ai des tirs spéciaux. Ok. Mon tir spécial, il ressemble à quoi? Ok. Mais bon, j'ai un bateau. Oh, ça a l'air sympa ici. Oh, ils peuvent... Yo, putain. Ok. Je suis peut-être pas encore tout à fait... niveau pour aller par là. Il y a un gros coffre. Hein. On va quand même éviter de perdre notre bateau. Et puis what? Et bouge! Pourquoi je bouge plus? Ah, j'ai coulé le navire de Piwat. Oh, j'ai aussi carrément endommagé mon bateau. Alors... j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces trucs-là. Apparemment, les quêteurs ont érigé ces colonnes pour guider les navigateurs vers le nord. Tiens. La rune étoilée vit. En tout cas, ça semble désigner quelque chose. Peut-être qu'en suivant cette direction, on trouvera le trésor de l'étoile polaire. Alors... ok. J'imagine que 1, 2, 3, 4, 5... est-ce qu'elles s'éteignent? Elles s'éteignent pas. Un, deux, trois, quatre, et cinq. On trouve un trésor. Une bourse magique. Oh, c'est pas mal une bourse magique. Alors, dans mon inventaire, du coup, je peux l'équiper. Parfait. Alors mon bateau est toujours aussi mal en point, on va donc suite faire la quête. Quoi, ça a l'air sympa ici. Alors, Coco. Nous soigne. Est-ce que ça soigne mon bateau? Ça soigne mon bateau. Ok. Cool. Alors,
un petit coffre. Un sac de bouchonnier pour se sentir vraiment piouate. J'aurais, vous venez de nous ratiboiser le trésor. Vous vous tirez pas comme ça. Oh, ok. J'étais mal visé. J'ai coulé leur bateau. Alors, la caverne du crin. Alors, on a un coco. Droite ou gauche. Ça m'a l'air dangereux, ces machins. Peut-être encore un petit peu fort. Est-ce que je peux le bouger? Voilà. J'espère que personne ne trouvera ce trésor qu'on a caché. Mouah. Un boss piwat, ok. La même chose. Juste le style qui est différent. Ok. Bon, on va prendre celui-là. Les coffres parlent. Une trace de guerrier. Ah, une arme différente. Intéressant. Du coup, d'ailleurs, je vois que ça c'est mieux. On a looté ça qui était vachement mieux. Ah non, c'est pas une arme, c'est un. Un accessoire. Ok, qui nous donne une capacité. C'est intéressant ça. Ah. Donc on a terminé le donjon. On va partir. J'ai pas besoin de me soigner. On est reparti. Allons nous amuser un petit peu. Ah, ils ont repopé. Crevez. Et what, ils ont popé aussi. Ha 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 ha. D'avoir le niveau. Oh, des trucs à tête chercheuse.
photo. Alors, j'ai vu un bateau de pirate. Deux bateaux de pirate. Ok. On va essayer de monter de niveau pour nous soigner. C'est la porte ici, parfait. Alors, ça a l'air dangereux. J'ai pas peur. Ouais, j'ai quand même foutu un coup alors que. Ça c'est complètement raté. Bien joué, Chouchou. On a peut-être pas encore assez fort pour Fort Caudal. Il y a des petites îles ici. Peut-être moyen de choper des petits trucs. Ah! Alors, un caillou, deux cailloux, trois cailloux, quatre cailloux. Et en plus on monte de niveau. Alors. Ah ouais, bah oui. Ah oui, je déséquilibre celui-là et je mets celui-là là. Ici je peux appeler mon bateau. Alors c'est dangereux ces machins. Oui, ça a l'air un peu dangereux ces machins. Oh ma vie, ma vie, ma vie. Je vais aller jusqu'au perroquet. Sikino. Je ne suis pas Dora, quand même pas. Hein. Je suis un chat. Je suis le super chat de 4 quests. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je peux pas interagir. Elle est quand même pratique cette bouée. Alors, il y a toujours ceux-là que j'ai pas battu. J'aurais peut-être dû récupérer mon bateau pour que ce soit un peu plus facile. Hop, on prend le pistolet. On attire un. Mon sort. Ah, j'avoue qu'il n'est plus à bouger. Alors, je précise que bien évidemment, le jeu est encore en développement, hein, puisqu'il ne sortira que dans quelques mois, et que donc on peut avoir des petits bugs. Des petits problèmes de performance ou ce genre de choses là. Voilà, parfait. Et interdit de voler le trésor du roi. Où est mon bateau? Où est mon bateau? Rendez-moi mon bateau.
oui, je suis un peu loin d'un... d'une zone de bateau. Ah oui, il y en a une juste derrière lui, en fait. Est-ce que je peux traverser la mer profonde? Oui, mon bateau. Non mais... qui m'a fait. C'est honteux. C'est tout. Parfait. Et on monte de niveau. Ah. Un boost pour notre bateau. Comment ça fonctionne? Où est-ce que c'est? Ah, c'est... là. Navire. Donc j'ai des super boulets et je peux équiper la coque de navire. Parfait. Et dans les objets de quête, bah, j'ai mes objets de quête, ça. Je m'en doutais un peu. Alors, continuons d'explorer un peu. Avec le bateau. Hein. Alors, les îles chamanes. Et surtout ici, on a plein de trésors. Est-ce que je peux leur parler? Fouille. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Et bouchaillon pour ce qui est de trésors au fond de ce coffre. Ça alors, vous venez nous aider? Notre radeau est détruit, on est coincé ici. Vous allez m'aider, moi? Dites, c'est moi qui ai l'héritage, je... Non, c'est moi, moi, moi! Ça suffit! Bon, on reprend du début. On a besoin de votre aide, chacun de nous. Pour faire court, avant de mourir, notre paternel nous a dit que l'héritage de famille était rangé dans un coffre. Là où ça coince, c'est qu'il y a trois coffres et trois clés, cachées dans les parages. L'héritage est quelque part dans un de ces coffres. C'est ça, retrouvez nos clés et ouvrez les coffres. Nous, tout ce qu'on veut, c'est l'héritage. Le reste est à vous. Et pour empêcher ces deux-là de se crêper les moustaches, on attendra que les trois clés soient réunies. D'accord? Parlez à chacun de nous pour savoir où sont les clés. D'accord? N'oubliez pas de me parler, s'il vous plaît. Je vous attends, vous, veux parler. Ok. Bon, je vais faire court. Ma clé est enterrée sous un rocher sur cette île là-bas. Aidez-moi à la déterrer. J'ai une pelle? J'en sais rien. Ok, Pa a donné une clé magique. Elle bouge quand quelqu'un pense à la clé. Regardez, ombre qui bouge là-bas. Oh pétain. Il faut qu'on barbote à sa poursuite. Clé dans l'eau. Vous nagez. Pas bateau. Peut pas attraper. Nagez. Coucou Glentaril, c'est l'heure de manger. Non, non, c'est l'heure d'être des piwats. Des chats piwats. Des chats qui tuent des rois piwats. Parce que c'est trop cool d'être des chats. C'est trop cool d'être des piwats. Pour trouver ma clé, papa m'a dit que c'était sur une des deux îles là-bas. Il y a des étoiles de mer là-bas. J'en ai vu une ramasser un truc récemment. Vous voulez bien aller filer une trempe à ces étoiles?
vais pas dire que ça a l'air d'être le plus simple de sa quête, mais ça a l'air d'être le plus simple de sa quête. Alors, sous un caillou. Bah, soulevons tous les cailloux. Un petit crabe. Oh. Trop mignon, Zitino. Merci beaucoup. Ouais, on a trouvé la clé des trois frères du milieu. Du coup, j'imagine que je peux plus soulever les autres cailloux. Parfait. Allons faire les trucs cool. Les trucs cool étant que vu que j'ai tué toutes les étoiles sauf celle-ci. Coucou à l'astre! Je peux pas lancer mon sort! C'est quoi cette connerie? Parfait! On a trouvé la clé des trois frères! Celle de gauche. Maintenant, allons s'amuser de barboter à la suite de la clé qui bouge. Voilà. Non, mais sérieusement. Ah, je vais peut-être pouvoir la choper. Voilà. J'ai pu la choper pendant qu'elle bougeait. On a toutes les clés des trois frères, on dirait. Retourne voir les triplés. Alors. Est-ce que je pourrais pas y aller avec mon bateau? Parce que je me traîne un peu dans ma petite bouée. Ça. Vous donnez au triplé ce que vous êtes. Formidable, c'est le moment de vérité, les frangins. Les trois coffres sont vides. Rien du pouic. Nada. Qu'est-ce qui se passe là? Vous deux, on ne bouge plus. C'est la fin du monde. Pardon les frangins, désolé d'être toujours d'humeur de chien. Enfin, je tiens à vous dire que je vous aime, tous les deux. Vous l'avez senti, hein? La raison de tout ça. Pourquoi on est coincé là depuis si longtemps? On est censé travailler la main dans la pâte pour récupérer toutes les clés. L'heure est venue d'aller de l'autre côté. Et s'il y en a qui méritent d'ouvrir ce coffre, c'est bien ceux qui nous ont aidés. Oh, vous êtes trop gentils, vous me donnez votre héritage. Merci de nous avoir aidés. Attrapez! Le truc, c'était que les triplés se mettent d'accord. Eh bien, au plaisir de vous revoir. Je vous souhaite bon vent et heureux voyage. Ouais, notre coffre. Une armure de chevalier niveau 4. Et ça tombe bien, je suis niveau 6. Donc, je peux... Ah. Oui, bah de l'armure, c'est quand même mieux. De la vie, c'est top, mais de l'armure, c'est trop bien. Alors, continuons à explorer cette grande région. Je peux pas passer. Je suis coincé de ce côté-là. Eh ben tant pis, je suis coincée de ce côté-là.
Oui, c'est beaucoup plus monde ouvert. Les quêtes sont beaucoup moins forcées, on va dire. Alors, je peux aller par là. Sauf que je vais peut-être un petit peu avancer ma quête, justement. Non mais, c'est étonnant qu'il faut taper. Ma quête était d'aller au port. Non, la frontière, elle me bloque vraiment. Ah, donc... Salutations, amis marins! Squeeze! Ne me faites pas de mal! Je suis le Séraphor. Considérez-moi comme un service de renseignement. Venez me voir quand vous êtes perdu ou que vous ne savez pas quoi faire. Chantation Pirouette! Si vous n'êtes pas encore passé au poil lacté de Port-Chavan, vous auriez intérêt à y aller! C'est la meilleure et la seule taverne de toutes les Charaïbes! Maman Milka est un peu imposante, mais elle a bon fond! Chantation Pirouette! Si vous... Ok, donc il n'a rien de plus à nous dire. Parfait. Après, Zitino, effectivement, pour l'instant, c'est une version preview, hein, donc... Il se peut qu'il y ait des choses qui changent. Typiquement, peut-être que la frontière ne me bloque que parce que je suis dans la version preview. Hein. Dites-vous là! Ce buisson ne vous paraît pas étrangement suspect? Oui, celui avec les tout petits cailloux à côté. Je suis trop poule mouillée pour aller voir Sia moi-même. Ouais, je vais y aller. Ouais, et je trouve que c'est vraiment très plaisant aussi parce que je suis complètement d'accord, c'est trop marrant les petits jeux de mots. Et surtout, on est quand même sur le troisième opus et il y a toujours autant de petits jeux de mots marrants. Bon, bah, la frontière me bloque aussi là aussi. Et surtout, comme je disais, je suis sur une version preview et elle est en français quoi. Ok, donc on n'a toujours pas trouvé quoi faire avec ces machins-là. Ouh, je savais que ce buisson était pas net. Ça me rappelle la vieille histoire de ce mage qui aurait caché son butin aux quatre coins des Charaïbes. Chaman, un truc comme ça. Franchement, je me demande s'il n'y a pas d'autres cloches dans le coin. Non, mais s'il faut que je tape tous les cailloux... Hop! Allons dépenser un peu notre argent. Je suis à deux doigts de comprendre les secrets de lui. Et pourquoi les chiens aiment rapporter la babale? Oh, cric me croque! Une magie chienne! C'est très rare! Eh oui, les chiens font des guerriers et des fouisseurs au poil. Pour ce qui est de la magie, par contre, il n'y a plus personne. Autant dire que dans ma meute de chiens de berger, j'étais le mouton noir. Ah. Enfin bref. Bienvenue à l'os magique. Je peux améliorer vos sorts. Et améliorons nos sorts. Au fait, avant que vous partiez, voici un sort en cadeau. Top! Si vous voulez l'améliorer, vous savez où aller, hein? Eh ben oui, allons améliorer nos sorts. J'ai pile poil 150. Donc je peux améliorer qu'un seul sort. Je vais améliorer celui qu'elle m'a donné, tiens.
J'ai plus de sous, mes sous. Mes sous. Hop. Et du coup, j'équipe le deuxième sort. Ah, c'est donc pour ça qu'on aime courser notre queue. Oh, vous revoilà tous les deux. Vous vous demandez sûrement où dénicher ces cristaux magiques, hein? Vous les trouvez souvent dans les coffres cachés aux quatre coins des Charaïbes. Oui, bientôt, tous les cristaux seront miens. Mais alors, pourquoi tu veux pas les chercher toi-même, ces cristaux? Chut. Ok. Coucou, Contamine. Viens t'amuser avec les pirates, comme nous. Petit coffre caché. La forge de Michou. Ah, je sais pourquoi vous êtes là. Vous cherchez le trésor de l'étoile polaire, pas vrai? Michou, comment tu cherches un choix? Vu l'omniprésence des mythes entourant ce trésor et la lueur dans vos yeux, il y avait 99,1% de chances que vous soyez à sa recherche. Bref, je m'appelle Michou et je suis forgeron. Je peux améliorer votre équipement et même aller au-delà du statistiquement possible. Ok. Ah, je suis sûre à 48% que vous n'êtes pas au courant. Mais vous pouvez équiper à la fois une arme de corps à corps et une de deuxième tir. On a déjà fait le tuto là-dessus. Ok. Je pourrais éventuellement améliorer mes armes. Mais déjà, j'ai envie de dire, on en trouve plein, alors... est-ce réellement utile pour l'instant? Je ne sais pas. Il paraît que le roi pirate est ici, dans cette taverne. Sans rire, dans cette taverne-là, à Port-Chavanne. Qu'est-ce que vous regardez, sale matou miteux? Fichez-moi le camp! Nous sommes à deux doigts de trouver le trésor de l'étoile polaire. Dis au Palais Brosse de faire doubler la garde dans les ruines des quêteurs. Le Palais Brosse, on les a déjà tués, les frères Brosse. Ouf, on a eu chaud! J'ai comme l'impression que le roi pirate est lui aussi à la recherche du trésor de l'étoile polaire, pas vrai? L'avantage, c'est qu'on a la rune étoilée et pas lui! Allez, on s'est laissé tourner les coussinets! On a un trésor de l'étoile polaire à trouver! Ouais, on a un trésor de l'étoile polaire à trouver! Non, des frères avec un balai brosse sur la tête! Alors, si vous envisagez de mettre cap à l'est, évitez les îles du crépuscule, d'accord? Les Gorelocos ne sont pas tendres avec les étrangers. J'ai aussi entendu dire que le roi Piwat avait barricadé toute l'île. Ça doit cacher quelque chose d'important, non? Ah, c'est peut-être pour ça qu'on peut pas y aller. Bienvenue au Bolaté. Une seconde. Mais oui, Chapeauté, c'est bien toi! Je ne t'ai pas vu depuis un bail! En sérieux, plus ou moins. Un conseil! Abandonnez tout espoir! Le roi pirate cherche aussi le trésor de l'étoile polaire! Et il a l'équipage de Metallica avec lui! À votre place, j'éviterai de l'asticoter. Il est très sous-polaire. Hein? Le capitaine Metallica a accepté de faire équipe avec lui? Oui, l'énergie magique brute ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval par les temps qui courent. Metallica s'est peut-être senti obligé. Tout ce que je sais,
c'est qu'il y a un vieux guide stellaire en dehors de la ville. Approchez-en votre rune étoilée et voyez s'il se passe quelque chose. Oui, on est déjà allé voir un guide stellaire. Merci quand même, Mama Mitcha. Chapeauté, tu voyages avec quelqu'un qui a un tatouage d'étoile, hein? Ça serait pas la marque des quêteurs? Et comment? C'est bien pour ça que le trésor de l'étoile polaire va nous rendre. Non, ma pis. Si on m'avait dit qu'il existait encore des quêteurs. Sans doute qu'on est quêteurs de père en fils. Le trésor sera bientôt trop de pattes. Attends voir. D'ailleurs, il serait temps d'y retourner, pas vrai? Chapeauté, attends. Toi et moi, on sait tous les deux que l'étoile polaire n'est qu'un mythe. Pourquoi la cherches-tu en réalité? Ça ne regarde que moi! Bah oui, il traîne, chapeauté. Ah, oh rien, mon chaillon! On sera les plus grands pirates des sept mers, tu te rappelles? Et, Mama Mitcha. Chapeauté, tu peux toujours faire ton beurre en chassant mes avis de recherche, tu sais? Battez les pirates et les pirates! Figurant sur les avis de recherche de Mama Milka pour gagner des pichets de lait qui augmentent votre stat! Cet avis de recherche-là, c'est pour le roi sanglier, avec une prime de 3000 pièces d'or sur sa tête. À l'est de Porsche. Peut-être pas les regarder tous, hein. Il y en a un paquet. Quelque part le long des détroits, ok. Casser les tuiles. Oui, il y en a un petit paquet. Je peux pas casser les tonneaux. Manque plus que des pis de vaches. Oh. Tu crois qu'on va en voir, Zikino? Peut-être. Peut-être pas. Hop. Eh bien, c'est que... les tonneaux sont réapparus. À moi l'argent, à moi la fortune! Et donc ça, c'est le fameux... truc stellaire dont nous parlait Mama Milka. Peut-être qu'en suivant cette direction, on trouvera le trésor de l'étoile polaire. Alors... Il parle de lait, mais à part Milka, je vois pas de référence à la vache plus qu'un autre lait. Oui, mon nom à moi, c'est le Borgne. J'ai une question pour vous. Vous cherchez le trésor de l'étoile polaire, pas vrai? Eh bien, cette caverne au trésor a toutes les réponses qu'il vous faut. Et bien plus encore! Tonnerre! Même le célébrissime capitaine Shakoyaki a exploré cette grotte au moins une fois! Mille chabords, c'est vrai de vrai? Faut qu'on fasse pareil! Bon, bah allons-y! Ah, sans le piège, hein, mais. On peut pas ressortir! Ça me rappelle la fois où on est tombé dans ce piège à souris. Alors, est-ce qu'il y a des choses cachées? J'ai pas l'impression. Allez. Ouf. Un squelette. J'essaye mon deuxième sort d'ailleurs. Ça serait bien. Ok, un mécanisme secret. Je me suis un petit peu fait laminer. Un trésor sur 5. Alors, dans les premiers, il y avait pas mal de trésors cachés. Il est pas mal mon sort. Aïe!
Aïe! Alors, voilà. Petite expérimentation de la mort. Bah, tout, c'est important aussi de vous montrer ça. Hop! Tout simplement. Comme vous voyez, c'est pas hyper punitif. Alors, j'ai pas fait gaffe si on perdait de l'argent, par exemple. Mais, grosso modo, de ce que j'ai vu... Eh ben, on reprend à la dernière sauvegarde. Okay, notre 13 de guerrier est monté de niveau. C'est ballot, c'est pas celle-là qu'on a équipée. Donc on a deux des 5 trésors de la caverne. Ah! Sérieux? Ah, elle est encore montée de niveau. On va peut-être l'équiper, hein. Ça peut être intéressant. Du coup... Elle va nous donner de la force et de la magie. Et si on attaque en esquivant, on va pouvoir effectuer une fente. Oui, il faut que je déséquipe celui-là. Un jour, chez level 10. Un jour. Ça me défrise les moustaches de le dire, mais... Je crois qu'on s'est fait rouler! Le borgne avait promis un trésor de l'étoile polaire, mais qu'un tas de fioux! Attends que je remette les pattes dessus, le borgne! Tu perds rien pour attendre! Tu veux me le payer? Il n'y a pas des petits passages secrets, pas? Des petits passages qu'on verrait pas? Ah, il y a l'air d'avoir un boutique par là, peut-être. Notre bouée est quand même bien pratique. Bon, bah non, bah on va partir par là. Partons. Ah, peut-être que si j'étais resté dans l'eau... Effectivement, il nous a un peu. Faut pas se mentir. Mais il est toujours là. Ho ho! Il nous a entourloupé! Je suis un pirate! Vous vous attendiez à quoi? L'idée, c'était de vous prendre au piège et ce serait revenu plus tard vous dépouiller! Mais ne jamais entourlouper un autre pirate! Code des pirates numéro 5! Ça vaut pas pour des moins que rien, copse! Sur ce, je me charapate, ne me suivez pas! Bah oui, on lui court après, bien sûr qu'on lui court après! Il se charapate dans la grotte. Alors, ça fait bien sûr retrouver les monstres. Il n'y a rien de plus à faire. On s'en doutait un peu. Je vais peut-être me soigner un petit coup quand même. Pendant que je suis là et qu'il y a un perroquet.
petite sieste revigorante. Et on suit les pattes, hein, parce que quand même, c'est important. C'est ce qu'on vient faire. C'est suivre ces traces de pattes. Alors, les traces de pattes. Pattes, pattes, pattes. Il s'enfuit! Pattes, pattes, pattes. Pattes, pattes, pattes. On nous a ouvert ça. J'aime. Ah, papac, c'est le tonneau! Alors, on y va prudemment quand même, hein. On n'est pas non plus. Ah bah si. Je vous avais bien dit de pas me suivre! Code des pirates numéro 6. Toujours suivre les pirates jusqu'à leur repère. Surtout les vicelards comme toi. Quand j'aurai fini avec vous, vous retomberez plus jamais sur vos pattes! Ok, donc on a un petit ennemi. Mon pistolet est rechargé. Mais ce temps-ci... Ça va, en l'esquivant, on arrive à s'en sortir. Mais ça sont rechargés. Aïe! Te prendre des gueules. Oui, bah il a peut-être des toutes petites griffes qui font 2 points de dégâts, mais quand même. Je l'ai loupé, quoi. On a gagné les griffes du borgne. Ok. T'as déjà ta place réservée chez Toki Jones, le borgne. Les coffres sont ouverts. Du butin. Ouais, le butin, c'est important. Un manteau du borgne. Ok. On va regarder un petit peu tout ce qu'on a. Effectivement, Zikino, tu as entendu le signe. La cagoule du bord. Ok. Bon, regardons un peu notre inventaire, du coup. Alors. Là, c'est ce qu'on a. Le bandana de Bouchanier. Il est que level 1. On a la cagoule du borgne qui fait des bonus. Ok. Et le bandana de pirate qui est level 1 aussi. On va peut-être quand même prendre la cagoule. Alors, ici j'ai une armure de chevalier level 4. Ouais, ça me paraît quand même mieux. Alors. Ça fait 7 dégâts. Oh, c'est quand même pas mal par rapport à mes 6. Ici. Ah, ici, j'avais pas fait gaffe. La charquebuse est mieux. Ici. Effectivement. J'ai ma tresse de guerrier qui monte de niveau tranquillement. Et on va pouvoir repartir avec notre petite bouée. Ça fait un bail que j'ai pas vu ce vieux chat pêcheur et son fils. Pourtant, ils vivent juste de l'autre côté, sur l'île des Détroits. Je me demande s'il va arriver quelque chose.
Ok, et eh ben écoutez, ça fait déjà une heure que je suis en live. Je pense qu'on va arrêter la VOD. Ah, elle a moins de munitions du coup là, Charquebuse. Et du coup, eh ben, pour ceux qui sont en VOD, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et ceux qui sont en live, eh ben, ne bougez pas. Ça ne fait que continuer.